Eh bien salut tout le monde, c'est ChrisBlack38 pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Battlefield Hardline et aussi pour une petite vidéo un peu spéciale, car cette fois-ci j'ai décidé en fait de vous parler un petit peu des nouvelles choses qui arriveront sur ma chaîne niveau matériel, donc pour ma config, tout en vous faisant un petit gameplay sur Battlefield Hardline aussi. Et j'ai donc aussi décidé tout simplement de basculer sur Hardline pour changer un peu d'habitude, hein. Donc alors attendez, on va se mettre un petit peu à couvert, hein. Je vais juste légèrement baisser un peu le son, je trouve que c'est très fort dans mon casque. Voilà, je trouve ça peut-être mieux là. Voilà, au moins comme ça je m'entendrai mieux parler. Comme toi. Alors donc première petite chose importante, c'est la fin de la partie, bon comme ça je vais pouvoir parler un petit peu. Alors première chose importante, j'ai donc décidé de changer mon clavier que vous avez dû voir dans mon petit unboxing, c'est le Spirit of Gamer, je sais plus lequel exactement, donc je vous invite à aller voir sur ma chaîne si vous trouvez la vidéo et jeter un petit coup d'œil. Jeter tout simplement un petit coup d'œil sur le clavier dont je vous parle. Et donc j'ai décidé de vous prendre un Mad Cat Cyborg Strike 7. Donc je vous mettrai les images à l'écran pour que vous puissiez voir un petit peu la gueule du clavier pour ceux qui connaissent pas. Parce que j'ai vu donc voilà pourquoi je pense celui-là, parce que tout simplement il y a pas mal de petites choses qui m'intéressent. Un très beau design d'ailleurs. Surtout les touches macro qui vont pouvoir me servir pour Hardline, BF4, BF1, etc. etc. Et puis je me suis dit, allez, ça fait un an que j'ai celui-là, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas changer, plutôt passer sur une série gamer, car le Spirit of Gamer que j'ai, il est pas... voilà, il a pas... certes, il a des LED qui fait qu'il a un style assez classe, mais autrement dit, c'est pas il n'est pas considéré comme un TV gamer. Donc voilà pourquoi un petit peu si je veux le changer. Ensuite, petite chose, si je vais donc passer à un double screen, donc avec fixation. Donc je vais acheter des fixations que je fixerai derrière mon bureau afin de pouvoir mettre, parce que je fais là, ouais, je saute, afin de pouvoir mettre deux écrans côte à côte. Ce sera plus simple pour moi pour jouer, pour pouvoir faire mes montages etc. en même temps ou naviguer sur internet, ça facilitera un peu la vie. Oh, j'ai vraiment eu de la chance sur le coup. Oh, 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 oh. Cours pas surtout. Oh, c'est bien celui-là. Voilà, voilà, donc exactement le même écran que j'ai en ce moment, donc c'est l'Acer Predator GN246, voilà, c'est ça. Je vous donnerai la référence complète dans la description. Ah putain, j'ai pas le temps de descendre, merde. Je vous donnerai donc le nom dans la description complète de l'écran. Ensuite, petite chose aussi, je vais changer ma caméra, ma webcam pour être plus précis. Pourquoi? Parce que comme vous le remarquez, elle n'est pas très bonne niveau qualité. Donc là j'ai décidé de taper dans quelque chose un peu plus propre. Alors attendez, je vous le mets 2 minutes. C'est une Logitech HD Pro Webcam C920. Je vous mettrai encore une image à l'écran aussi pour que vous puissiez voir. Donc d'après ce que j'ai pu voir en termes d'avis etc, c'est une très bonne webcam qui fait 1080p à 60 images par seconde, ce qui est vraiment très potable pour les vidéos sur YouTube par exemple. Ensuite qu'est-ce que je vais prendre d'autre, il y a des petites choses que je vais rajouter aussi dans ma tour éventuellement. Donc un disque dur, peut-être 1 Tera ou 2, ça dépend de mon budget. Ensuite, je sais pas encore exactement lequel, donc ça je vous le redirai peut-être prochainement dans une vidéo où je vous verrai à Noël. Car c'est sûr que là, à ce moment-là, il y aura peut-être 2-3 unboxing à prévoir. Moi, comme ça, je vous dis à l'avance. Aussi, peut-être rajouter un SSD, peut-être sûrement le même que celui que j'ai déjà. Donc, très performant, très efficace, j'ai rien à redire. Et peut-être aussi modifier mes barrettes de mémoire, peut-être ajouter 32 en mémoire. Mais ça, c'est pas vraiment sûr parce que mes 16 me conviennent très bien. Ah putain.
c'est... donc ça, c'est pas encore sûr. Ensuite, peut-être à prévoir, peut-être pas cette année-là, mais à la fin de l'année prochaine, je compte peut-être me faire une nouvelle config. Gamer, encore une fois. Gamer ou montage, je vais voir. Pourquoi gamer? Bah, tout simplement pour avoir un deuxième PC quand j'invite des amis, ça pourrait être sympa, pouvoir jouer avec eux au lieu de se partager un PC pour 2-3 personnes. C'est vrai que c'est un petit peu chiant. Ensuite, ensuite, putain, pourquoi montage? Bah, tout simplement pour me faciliter la vitesse de mes montages. Déjà, bon, sur ce PC là, ça gère plutôt très bien. Sauf que voilà, certes, quand je fais du montage, je peux pas jouer un jeu à côté, sinon c'est un coup à faire cramer le processeur. Du coup, je ne préfère pas. Alors c'est pour ça que je veux éventuellement peut-être avoir un deuxième PC aussi pour ça. Je verrai, ce sera vraiment avec un i7 par exemple, plus basé pour le montage, ou simplement avec un i5 qui sera fait pour le jeu et à la fois pour le montage. Je verrai ce que je fais. Je vous redirai tout ça. J'ai bien eu celui-là. Je vous redirai tout ça. Ensuite, putain, là, il m'allume au pont derrière. Ah. Ensuite, petite chose. Je vais... Ah, il y a un mec qui se connecte son micro. Je vais m'acheter un petit boîtier. C'est un NZXT-IU ou HUE+. En fait, c'est un boîtier qui gère le contrôle des LED à l'intérieur d'un boîtier. Je vous mettrai une image... l'écran aussi, au moins comme ça vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble. Et tout simplement, ça permet de rajouter des rubans à LED, un peu comme ce que j'ai derrière moi sur mes murs. D'ailleurs, qu'il y en ait un, j'ai pas allumé derrière, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, vous avez dû voir dans certaines de mes vidéos, c'est des rubans un peu comme cela, sauf que là cette fois-ci se place à l'intérieur du boîtier. Et donc grâce à ce petit boîtier, on installe un logiciel sur ordinateur et on peut ajouter différents effets. Donc un changement de couleur, le faire clignoter, mettre une seule couleur, voilà, pas mal de petites choses comme ça. Donc ça c'est sûr, c'est sûr et certain, je vais m'en offrir un. Après, bon bah en souris j'ai pas trop besoin, parce que personnellement, la mienne ça fait déjà 2 ans que je l'ai, ma ROG, et franchement elle marche encore très bien. Je compte pas m'en séparer, à part si je m'achète une deuxième config, possible que là... je me prenne putain, j'ai pas le temps de lancer une grenade. Il est possible que je me rachète une autre souris, peut-être une Asus ou une marque en dessous, un truc bien stylé. Niveau casque, c'est pareil, je garde. Ah oui, je vais peut-être m'acheter un petit micro. Donc c'est les micros qu'on pose là sur la petite table, enfin sur la table devant le bureau, devant l'écran pour être plus précis. Afin de pouvoir jouer simplement avec le son, donc dans le casque que j'ai là, et pouvoir avoir la voix enregistrée sur un micro de plus haute qualité, on va dire, avec un meilleure qualité audio. Je l'ai pas eu. Donc avec une meilleure qualité audio, donc ça aussi c'est à voir, je verrai ce que je fais. Et ensuite, je crois que j'ai fait un tout petit peu le tour. Peut-être d'autres choses que je vous redirai par la suite, que j'ai probablement oublié de vous dire dans cette vidéo. Donc, je fais combien, 7-5 là? Oh, ça va, c'est pas trop... Il y a un mec qui vient de passer devant moi. J'aime pas... Il court pas quand je veux qu'il court, ça m'énerve. Pas un autre mec là? Non. C'est mon allié qui avait tiré. Voilà, je fais un petit peu le tour, il me semble pas avoir oublié des petites choses. Oh là 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 là. Ah oui, petite chose aussi, je tiens à préciser, donc pour BF4 et BF Hardline, donc comme je vous ai dit en début de vidéo, donc je bascule sur BF Hardline un peu. De toute façon, ça me change un petit peu. La façon de jouer, le gameplay, les maps, tout ça, les armes aussi. Et puis voilà, je passe sur BF Hardline tout simplement parce que voilà, j'ai voulu changer. Et puis, du coup, pour l'accès à BF Hardline, bon bah du coup j'ai pris l'abonnement sur Origin, le petit abonnement à 3€ là. Donc au moins comme ça j'ai pu avoir BF Hardline pour pas trop cher, bah pour 3€ tout simplement. Ensuite je verrai pour BF1, donc je risque de me lâcher d'ici peu
probablement aussi pour la fin de l'année. Hein. Et moi comme ça j'aurai un petit peu toute la série BF, hein, presque du moins, parce que j'ai BF3, BF4, BF Hardline, il manque BF1, puis après les anciens, mais bon les anciens m'intéressent pas trop. Allez, on gère, on gère. Hop, 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 hop. J'espère juste qu'il n'y en aura pas un avec un lance-roquette là qui va venir me shooter. C'est vraiment le con. Hop là, nickel. Oh le bâtard. Ah il m'a bien eu. Hein. Oh, ça va, ça fait pas si longtemps que ça que je me suis mis à BF Hardline, hein, ça fait quoi, même pas une semaine. Donc j'ai pas encore bien le jeu en main, mais ça va venir, ça va venir. Notamment à BF4 où j'ai plus l'habitude, c'est pas... La façon aussi dans le mec qui court quoi, c'est un peu relou. J'ai l'impression qu'un mec qui court pas quand je cours. Là il y a que dalle. Hop. Je vais sécuriser Delta. Et je me fais allumer, c'est pas bon. Certainement un mec dans la baraque, je sais pas pourquoi. Ok. Direction Delta. Aïe 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 aïe. Il est où, il est où, il est où, il est où? Il est là-haut. Je savais même pas qu'on pouvait monter par là. Oh là là. J'aurais dû shooter l'autre à gauche en premier. Là j'étais retourné. Manque de chance, j'ai pas géré. On va redéployer ici, allez. C'est parti pour une grenade. Alors passer là-bas derrière, juste un petit coup d'œil, parce qu'il y en a encore un ou deux. Non, ça va. Nickel. Allez, direction. Ça c'est des tremplins ouais, pour les véhicules, je crois. J'ai 105 de ping mais ça frise pas, c'est bizarre. J'ai pas réussi à bien l'avoir. Ah le bâtard. Il y a beaucoup de mecs qui jouent aux pompes sur Hardline. Hein. Le nombre de fois où j'ai fait des parties où il n'y avait que ça. On commence à avoir un peu l'habitude à force. Ouais, je joue à ça. Silencieux. Sniper, je sais pas où il est. Non mais sérieux, le mec il était où? Ah mais c'est Sniper qui m'a buté. Regarde-moi ça. Ah on va tenter une petite partie au Sniper. La dernière fois j'ai joué, j'avais bien géré mais là... Ce bâtard, je le remets pas. Boum. J'arrive pas à le voir, je sais qu'il y en a un par là, mais... Là, j'arrive pas à le trouver. Ok, là-haut, on va aller sur Delta, on va aller voir, on va faire un truc.
14, 10. Oh, ça va. Ok, personne. Et puis, on n'est pas grand monde sur la map. Il y a personne là-bas aussi. La charge est en place. Charge en place. J'ai posé un peu à l'arrache. Il y a un mec qui arrive. C'est super. Je l'ai bien eu. Hop. Ah merde, j'ai cru qu'il allait à gauche. Il a disparu, je sais pas où. Allez, boum. L'autre, franchement, j'ai quand même bien allumé. Hein. Là, je suis concentré. Merde, on place le bouclier. Putain. Ah, il bouge trop. Nous avoir comme des lapins. Putain, il n'y a personne à l'horizon. Alors attendez les amis, je fais une petite pause de 2 minutes. Donc re les amis, donc désolé, j'ai dû faire une petite coupure et entre temps je me suis fait buter. C'est super. Alors du coup on y retourne. Putain, ici. C'est couché ce matin. Je l'ai repéré. Putain, il était plus rapide que moi. Dommage. Ouais, vas-y, je sais pas trop là. Putain, c'est bien fait remonter. Hein. Des mecs dans le bâtiment en face. Hop là, on va se faire chier. Je les ai bien vus là. Ah, le bâtard.
Ah. J'ai quand même bien géré l'action. Allez, on va passer un peu la mitraillette pour changer un peu. Les pompes, j'y joue pas trop parce que c'est pas les pompes de BF4, du coup j'arrive pas à les gérer. Oui, bah oui, il faut que je me fasse allumer. Comme par hasard. Ah non, mais sérieux quoi, ça vient de tous les côtés, j'ai juré. Et puis le sniper qui me tire dessus, ça me déconcentre. Et surtout que j'arrive pas à savoir d'où il arrive quoi. Ah bah là, le véhicule. HS. On a dans le cadeau. Putain, on m'a volé mon kill. Wow. Boum. Ah ouais, ça pète de partout là. Mais il y en a encore, hein. Il y en a encore. Tiens, il a voulu faire le malin lui. J'ai pas de grenade, merde. Ça c'est con. Je les enchaîne. C'est encore lui avec son pompe là. Oh putain. Oh là là. Eh, j'étais vraiment chaud là. J'ai dû moins niquer 5-6 kills. Même pas deux petites minutes. Ah bah du coup je suis plus dans l'action. On va y aller en hélico. Merde. Ok. Hop là. Direction Bravo. On se fait démonter. Il suffit de gérer, hein. Il suffit de gérer. Oh là là. Sensibilité des véhicules est pas pareil ici. Vous savez quoi? Ah, il y a des flammes là. Précision, c'est pas top. Hein. Aidez-moi à finir. Tirez sur tout ce qui bouge. Maintenant qu'on a tiré les flics de là, faut qu'on bouge le secteur. Tiens, les munitions. Aidez-moi, je suis coincé là. Ouais, ça va se buter le mec à l'étage là. Je crois bien. Ah, il y a des petites salopes là au fond. Ah, ça m'énerve, il court pas quand je lui demande.
Ah bah moi j'arrive, ils sont tous morts déjà. Putain. Bon bah ils sont chargés. Oh. Oh, j'ai la chance. Direction Charlie. J'ai vraiment eu de la chance au secours, j'ai eu un réflexe de malade. J'aime pas les sous-sols. Oh non, lui il a vraiment une grosse chance. Assistance ou élimination, ça va. On va se déployer ici. On va bien voir où ils sont ces petites campeuses là. Je sais pas d'où il m'a eu ce sniper. Je crois que c'est le bâtiment de droite là-bas. Grenade à fragmentation. Il a vraiment de la chance celui-là. Putain, ça c'est encore un autre mec qui m'a tué. C'est même pas celui que j'ai allumé. Alors en 150. Je crois que c'est le level max mais je suis pas sûr. Je crois qu'ils ont augmenté le level. Hein. Ah. Sur le FK c'était 140 je crois. Comment ça m'énerve quand il court pas. Allez, sors. Avant que je crève. Je me cache aussi. Oh, ils entendent tous passer. Ils entendent tous passer à côté de moi, je sais pas quelle visée. What? Ok, le mec qui était perché à la fenêtre, il m'a vu. Moi, je l'ai pas vu. Ça, c'est pas bien malin, tout ça. Ça, là, franchement, elle est pas mal. Contrôle, précision, portée.
dégâts. Voilà, on verra. Je vais pas dépenser mon pognon tout de suite. Il bougera plus de là, l'enfoiré. Wow. Il se calme les. Hé, hey, pauvre con, je t'offre une grenade. Boum. Ah mais lui one shot. Ce mec one shot. C'est comment son pitou? Oui 31-16. Ah oui mais niveau 50 ouais. Ouais j'ai pas le contraire. Faire un petit tour sur Charlie. Hein. Je suis pas tout seul. Il doit être par là, mais je sais pas où il est. Un hélico ennemi là-bas. Juste au-dessus. What? Ok, pour moi il n'y avait plus personne dans le véhicule. Je suis mort comme ça. Ah, j'ai plutôt joué avec ça. Non mais sérieux. C'est pas normal les amis, c'est pas normal. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, mon chat qui veut venir m'emmerder, j'ai pas trop envie. Wouah, c'est quoi ces bugs? Pourquoi on voit les mecs en rouge comme ça? Oh lui, je me méfie avec lui. Comment ça m'énerve avec son pompe là. Wouah, bouge de là avec ton hélico toi. Et what? Allez. Je vais peut-être jouer un peu au snipe. Hop là, c'est parti. Hop là, il a voulu faire un duel 1v1, snipe. Alors foiré, c'est barré.
Rien à l'horizon. Je pense pas que j'irai jusqu'à la fin de la partie les amis, hein. Ça dépend combien de temps ça. Je pense que je vais pas non plus faire une vidéo de 3 quarts d'heure sur BF Hardline. Surtout ça va être chiant pour moi pour l'upload, pour le montage. Donc là je suis à combien, c'est le score ennemi, enfin le descendre jusqu'à 0, on est qu'à 688. Allez on va aller jusqu'à 650 et après je termine la vidéo. Non, ça par contre ça me fout bien les boules. Mais qu'il arrive avec son lance-patate, il m'allume. Ah je crois qu'il n'y a pas meilleur. Là. Ah non ça va, vengeance sur le mec que je voulais faire. Plutôt nickel. Oh non, faut qu'il se décale comme par hasard. Ah non, j'aurais pu me le faire. Oh, ça m'énerve. Pas comme je veux. Ah putain. Ah merci. What? Il y avait une grenade. Oh, j'ai pas l'impression qu'il y ait des indicateurs de grenade sur Hardline, sérieux. On se lève comme ça, je me fais shooter, je sais même pas où il y a une grenade. C'est super. Des cibles par là. Hop là. Tout en carbone. Voilà, moto qu'on m'a la rebondi. Je me suis fait shooter. Par contre j'ai bien aimé l'action là, le tir en pleine tête quoi. Ah bah j'ai dépassé les 650. Bon bah je pense que les amis on va s'arrêter là parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Donc bah j'espère que sur ce cette vidéo vous aura plu. Et puis si vous avez des questions bah n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sur ce que je vous ai dit en début de vidéo. Donc à prévoir dans quelques jours sûrement la deuxième partie sur Investigator. Jeu d'horreur que j'avais commencé d'ailleurs. C'est un petit moment que j'ai pas que j'ai pas filmé la deuxième partie, que j'aurais dû normalement. Donc je vais essayer de vous la proposer au plus vite. Et puis d'autres petits gameplay et d'autres vidéos sur Hardline à prévoir je pense. Et peut-être
quelques petits jeux sur un autre jeu que je vous en dis pas plus. J'ai déjà fait une vidéo il n'y a pas longtemps dessus, donc je vous laisse découvrir par vous-même. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Allez, peace les amis.